Les amis, bonjour. Comme je vous avais promis sur la vidéo dernièrement, j'ai invité Frédéric Huet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous le connaissez, apiculteur à Damigny. Aujourd'hui, on va faire un piégeage de frelons asiatiques. Tout à fait. Alors Fred, je te laisse la parole. On a déjà commencé avec les ingrédients. Tu nous expliques tout et on procède au piégeage. D'accord. Donc pour faire un piégeage, c'est pas compliqué. Juste un peu de préparation. Un verre de vin blanc, un verre de bière, la moitié, et un quart de jus de cassis. Donc, une bouteille vide que vous allez prendre, avec le bouchon surtout, ne pas oublier, à peu près à 2 cm de là, de l'arrondi, vous faites une croix, tout simplement. Sur 2 cm à peu près la croix? Oui, à peu près 2 cm, oui. Ensuite, attention aux mains avec le couteau. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux aussi, c'est aussi bien. Voilà. Donc on découpe. Vous découpez. Et vous repliez surtout les bords. Voilà. Sans trop les replier. Il faut que ça fasse un petit angle de 90 à peu près. Comme ça au moins, quand le frelon va rentrer dedans, il va venir se piquer sur les pointes et il ne va pas ressortir. Voilà, tout simplement un trou comme ça. Ensuite, vous allez prendre le cassis. Voilà. Alors le truc, ce serait bien d'avoir un entonnoir, parce que c'est plus pratique. Et on verse dedans. Faire la même chose avec la bière. On aurait pu tout mélanger du premier coup. Oui. Oui, vous auriez pu. On aurait pu tout mélanger, mais. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. On va tout mélanger du premier coup. Voilà. Donc j'ai mis que la moitié du blanc pour commencer. On ajustera au fur et à mesure parce que le blanc va empêcher les abeilles de venir à l'intérieur. Ça va être sélectif en fait. Les abeilles n'aiment pas l'alcool par rapport aux frelons. Voilà l'histoire pourquoi on met du vin blanc. Voilà, on mélange un petit peu, et voilà. La hauteur, ça suffit, ça, à peu près ? La hauteur de là, ça suffit amplement. Donc, on a mis un demi verre de vin blanc. Ensuite, vous pouvez l'attacher avec n'importe quelle corde, hop, au niveau du bouchon. Et on accroche ça où ? Dans un arbre, à quelle hauteur ? La hauteur, il n'y a pas de préférence de hauteur. Ça peut être à 1 mètre du sol comme à 2,50 m. Il n'y a pas de souci. Ils ont beaucoup d'odorat à ce point-là, les frelons ? C'est le sucre qui va les attirer, oui. D'accord. Voilà. Et l'alcool, donc, pour éloigner les abeilles ? Et l'alcool qui va faire une sélection, en fait, au niveau des insectes. Donc, alors, vous pouvez attraper des mouches, c'est très bien aussi, et tout ce qui est frelon asiatique et frelon normal. Ce qui va sélectionner un peu le produit, c'est surtout le vin blanc. Ensuite, quand vous allez avoir la hauteur de frelon asiatique ou de mouche à l'intérieur, il ne faut pas attendre que ça arrive jusque là. Vous attendez 3-4 cm et après vous refermez là avec un bout de scotch et vous pouvez jeter la bouteille sans vous faire piquer. Oui, parce que dedans il peut toujours en avoir un. On jette les bouteilles, donc on jette carrément la bouteille et on en refait. Et vous en faites un avec les enfants pour le mercredi, ça peut être simple. De quelle époque à quelle époque? Là, on est dans la époque, on est fin février, là, c'est bientôt. Début mars à peu près, jusqu'à octobre. Parce qu'après, on arrive octobre, novembre, suivant les températures. Parce qu'ensuite, il fait vraiment froid, donc les abeilles, pas les abeilles, mais les frelons asiatiques, les reines vont aller s'enterrer. Ouais. Donc là, elles vont commencer à émerger. Elles vont ressortir. Et la première chose qu'elles commencent à faire, c'est d'aller faire leur nid. Voilà. Et puis après, on sait que c'est parti. Et elles mangent les abeilles. Donc voilà. Ça, c'est pas très très bon. Donc voilà les amis, regardez, c'est pas compliqué à faire, et puis quand c'est plein, vous jetez, vous en faites un autre, chacun peut faire ça s'il a la chance d'avoir un petit coin de jardin, et puis plus il y a de frelons de rennes en ce moment de prise, et ben c'est autant de moins de nids de frelons, voilà, qu'il y aura. Et d'accidents.
Merci Fred, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec une bouteille, mais cette fois-ci, 3 fois ou 4 fois plus grande que celle-ci, oui. Parce que plus elle est grande, il y a des fois plus on peut en piéger. Voilà. À bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.